L'Office des sports, des loisirs et de la culture, ça existe depuis quand? C'est une association qui existe depuis 1991, à la base gérée par des bénévoles pour fédérer le tissu associatif local qui est riche. Et après, il y a eu une première embauche, puis une deuxième, et maintenant on est 8 salariés qui sommes là au quotidien. Vous êtes donc basé à Lépieux, vous proposez diverses activités pour tout public? On a vraiment un champ d'action varié. On s'occupe notamment de l'encadrement dans les associations membres. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des bénévoles qui interviennent auprès des associations de hand, de foot, etc., soit des professionnels. On encadre aussi les tapes. Après, on a aussi, pendant les vacances scolaires, ce qu'on appelle sport-vacances et été jeune pendant l'été. C'est-à-dire qu'on accueille les enfants et on leur propose des activités pour qu'ils puissent s'occuper pendant les vacances. On s'occupe aussi d'un centre de char à voile qui est basé à Cioto, et centre de char à voile aussi l'activité Ciolenta qu'on a développée il y a maintenant 3 ans, donc ça marche plutôt bien. De la marche nordique le vendredi avec une collègue, et on organise des événements aussi, le triathlon en octobre et le forum en septembre à la rentrée. Et vous avez aussi organisé votre 23e soirée des challenges sportifs. La 23e soirée des challenges sportifs, qu'on organise tous les ans au mois de janvier. Donc ça, c'est une soirée pour mettre un peu en avant les résultats sportifs des associations du canton. Parce qu'il y a des associations qui, par exemple, je parle de l'escrime qui a une petite qui a été en Coupe du Monde, par exemple, cette année. Donc c'est pas mal. Donc on essaye, c'est pas une remise de trophée classique. On essaye de dynamiser un petit peu la soirée avec des sketchs, des parodies. Enfin voilà, là, on a fait par exemple un mannequin challenge avec 300 personnes. Donc c'était assez sympa. Les gens à chaque fois sont satisfaits. Et voilà, donc c'est une dynamique qui plaît en tout cas. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez un lien? Alors, il y a notre page Facebook de l'Office des sports, des loisirs et de la culture des Pieux sur lequel on retrouve un petit peu toutes nos activités. Après, on a un site internet www.oslc-lespieux.fr. Après, il y a possibilité de se rendre au centre administratif associatif sur les Pieux, 14 route de Cherbourg, ou nous contacter au 02 33 52 90 00.